Welcome to Hard Talk from Paris. I'm Stephen Sacker. The mood of the French public right now is very far from sunny. The economy is barely growing, unemployment is high, and voters are fed up with politics as usual. All of which is fueling the popularity of the far-right National Front, led by Marine Le Pen. Well, my guest today is her father, Jean-Marie Le Pen, the founder of the National Front. Father and daughter, well, they used to be the closest of allies, but now they're at war with each other. It is a compelling French soap opera, but what does it say about the changing face of the far right? Jean-Marie Le Pen, welcome to Hard Talk. You have had 60 years in politics, and here you sit suspended from the party that you created and at war. Exclu. Yeah, and at war with your own daughter. How do you feel today? Exclu provisoirement, puisque j'attaque cette décision devant les tribunaux. Et que dans les trois premiers procès que j'ai faits à la direction du Front National, j'ai gagné les trois procès. That's true. But I come back to this emotional feeling you must have, because whether it is temporary or not, you are at the moment not able to play a role in your party. But worse than that, you have this terrible fight with your own daughter. Oui, ce n'est pas très agréable comme sentiment, bien sûr, mais ça me laissera dans l'histoire des idées politiques. Je suis probablement le seul fondateur de mouvements politiques qui ait été exclu après 40 ans de direction. J'aurai droit à en bas de page, un petit bas de page dans l'histoire des idées politiques. Well, you are smiling, and that interests me that you are smiling, because I wonder if you can tell me what went wrong in your relationship with Marine. Because as recently as 2 years ago, when she was leader and you were cooperating with her, you said, we are together. We have one political axis. There is no problem between us. So what happened? What went wrong? D'abord, je souris parce que j'ai le sens de l'humour français, vous savez. Donc, je m'efforce de considérer que le verre de vin est à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bon, depuis 2 ans, en effet, il y a eu un relatif changement, notamment en matière économique. Mais sur les fondamentaux du Front National qui ont fait sa progression et qui vont la faire demain, parce que ce sont les problèmes, ce sont les circonstances qui poussent principalement le score du Front National. C'est l'immigration, l'insécurité, le chômage, qui sont pratiquement des phénomènes qui sont adjacents les uns aux autres. Voilà. Alors, sur ce terrain-là, d'ailleurs, Marine Le Pen fait un discours que je pourrais appeler de Jean-Mariste, en quelque sorte. Et ce n'est que sur les questions économiques européennes que nous avions quelques divergences. Mais qui ne sont pas forcément les mieux appréciés par l'opinion. But if I may say so, it strikes me that the fundamental problem between you and Marine isn't ideology or politics, it's personal. To quote Nona Meyer, who's a political expert at Sciences Po, she says, Jean-Marie Le Pen is no more the master in his own party, and there is a fundamental jealousy toward his daughter. Non, mais il y a 4 ans que je ne suis plus le président du Front National. C'est tout à fait délibérément que j'avais pensé que, compte tenu de mon âge, il valait mieux que je laisse à celui qui serait candidat en 2017 quelques années pour se préparer à la présidence. Et donc, depuis 2011, je ne suis plus le président du Front National. Mais dans le fond, il aurait suffi que Marine Le Pen le dise, qu'elle dise, bah, écoutez, non, le Front National, le président, c'est moi. Et Jean-Marie Le Pen exprime son opinion personnelle de parlementaire, d'homme politique. Voilà, c'est tout. But you didn't like the fact that she and her close colleagues used this phrase detoxify,
They said they had to detoxify the image of the National Front. You know that she was trying to move away from the things that you have said in the past about the gas chambers and the Holocaust, the accusations of anti-Semitism. She wanted nothing to do with any of that. And then in the last 12 months, you came back in the public arena and repeated these things, saying that the gas chambers were just a detail of the history of the war. Why did you insist on bringing this subject up again? Ce n'est pas moi, c'est Monsieur Bourdin, le journaliste, qui m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que vous regrettez d'avoir dit les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la guerre? J'ai dit non, je ne le regrette pas, parce que je pense que c'est une réalité. Il n'y a rien d'antisémite dans cette affirmation, mais ça a servi à mes adversaires politiques pour essayer de me donner la réputation, on dit en français tailler un costume, n'est-ce pas, d'antisémite, ce qui n'est pas le cas. Monsieur Le Pen, the reality is this, you know, the French courts have made their decisions about you. In the 1960s, you were convicted of being an apologist for war crimes. In the 1980s, you were found guilty of denying the Holocaust. You've been fined, you've paid a price for your views. Non, why do you not, even if you hold these views, which most French people find reprehensible, why can you not keep quiet now? You're not the leader, your daughter is the leader, and she believes, and this was the phrase that she used, you are committing political suicide for your party by using the language you use. Non, mais ma fille est responsable de ses pensées, de ses actions politiques, et moi je suis responsable des miennes, parce qu'il n'y a absolument aucune raison qu'elles s'ajustent l'une à l'autre. Je suis un dirigeant du front, je suis président d'honneur élu par un congrès, et par conséquent, je ne peux pas être privé de cette fonction par un petit groupe de même qui s'intitule des bureaux exécutifs. After she moved against you and tried to expel you from the party, you said, she may want me dead, but I will not cooperate. Do you really believe your daughter wants you dead? Non, c'était une formule ironique, bien sûr. J'ai dit que si quelqu'un souhaitait me voir mort, je ne prêterais pas la main, je n'aiderais pas à cette solution. Mais bien sûr que je suis convaincu que ma fille ne veut pas ma mort. D'ailleurs, il lui suffit d'attendre, hein, comme nous tous. Un jour ou l'autre, vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure, a dit le Seigneur. The thing is, though, the French public are, in a sense, they're gripped by this story because it's such a human story. And I still don't quite understand how a relationship between the two of you that was so strong and so close has become so poisonous and so bad. Eh bien, écoutez, je me pose la même question. Et je me demande qu'est-ce qui a pu motiver Marine et ses adjoints dans l'offensive qui a été lancée contre moi et dont on aurait pu faire l'économie. J'ai à plusieurs reprises tendu la main en précisant que dans les combats électoraux, il fallait absolument obtenir l'unité d'action. Pour l'instant, je n'ai pas été entendu, mais je ne désespère pas. One of her closest deputies, Florian Philippot, said this. He said, her father, that is you, Jean-Marie, is destroying everything that she has built. It is unbearable for her psychologically to have this constant shadow pressing down on her. That's why she wants him out the party, because then she can be liberated. Écoutez, si ma présence suffit à paralyser Marine Le Pen, qu'est-ce que ce sera quand elle aura les responsabilités de la France, si elle est présidente de la République? C'est un argument qui ne tient pas, ce n'est pas sérieux. C'est de la cause. Qu'on a plus loin chez nous, c'est un argument de cours d'école. That does raise an interesting question. Given the scale of the fallout between the two of you, do you now support your own daughter's bid for the French presidency? We know she wants to run. Will you support her? Écoutez, on verra bien en 2017. J'espère que d'ici là, nos relations se seront améliorées, se seront normalisées, parce que c'est évidemment ce que commande toute stratégie électorale, c'est de se présenter de façon unie. Et quand il n'y a pas de véritable raison de désunion, on ne voit pas pourquoi celle-ci persisterait.
Can you accept, Monsieur Le Pen, that the Front National, the National Front, has changed? Your daughter has changed it, and it is quite clear that the membership of the party now supports her in her battle with you. There was one poll which showed that 94% of the membership who voted on the issue supported the abolition of your post of honorary president. Jamais de la vie, tout ça est faux, entièrement faux. D'abord, ce congrès postal a été annulé par la justice. D'autre part, le chiffre de 94%, c'est 94% des 52% qui ont voté. C'est-à-dire, en fait, moins d'un adhérent sur deux. Et puis, la question n'a jamais été posée sur Jean-Marie Le Pen. La question, c'était de répondre par une seule réponse, oui ou non, sur le changement de 13 articles de nos statuts. C'est tout à fait. On n'a jamais cité le nom de Le Pen dans cette interrogation. It seems to me you're struggling to acknowledge what appears to be a basic truth proven by the results in the ballot box, and that is that. Non, madame. Hang on. That is that Marine Le Pen is more popular than you ever were. She, in the last presidential election, won 6.4 million votes. You never won 6.4 million votes. She attracts more French people to the cause of the Front National than you ever did. Écoutez, jusqu'à présent, j'ai fait 18% aux élections présidentielles et Marine a fait 18%. Elle n'a jamais fait mieux que moi. Les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas la Bible. In the last European elections, the Front National, led by Marine Le Pen, came first place, 25% of the vote. You never got close to that. Oui, je dois vous préciser une chose. J'étais candidat tête de liste dans le Sud-Est. Et j'ai fait une campagne, non pas Marine Le Pen, mais Jean-Marie Le Pen, j'ai fait 33%. Voilà. Par conséquent, Let's think about the message that she delivers, and I wonder whether you have a problem with it. You know, she's decided to emphasize economic arguments, not just the old policies you had on immigration and security, but she's telling the French people that there is an alternative when it comes to economics. She's anti-austerity, she's anti-globalization, she's anti the euro. And I wonder whether you believe that she's on the right track here. She's trying to pull in voters from the left as well as from the right. And she's saying to the French people, our party isn't just obsessed with immigration. It is a party that has policies on all the big issues, particularly the economy. Oui, d'abord, nous sommes un mouvement. Et ce mouvement reflète l'opinion des Français dans le temps où il est consulté. Or, le phénomène principal, colossal, qui est celui devant lequel nous nous trouvons, c'est l'immigration massive du tiers-monde, qui va se traduire par des millions d'immigrés. Et c'est ce sujet-là qui dominera les consultations électorales dans les années qui viennent, avant que nous soyons nous-mêmes submergés, comme l'avait d'ailleurs pressenti, si j'ose dire, dans votre pays, Enoch Powell, il y a une cinquantaine d'années, dans un discours appelé « Les rivières de sang », je me souviens, où il annonçait que les populations étrangères finiraient par devenir dominantes, y compris en Grande-Bretagne. Donc c'est avec quelques décennies d'avance ce qui est en train de se produire maintenant, et qui est la conséquence d'une double révolution. Une révolution démographique qui a porté la population mondiale de 1 à 7 milliards d'habitants, et en même temps une révolution religieuse qui érige l'islam, n'est-ce pas, et le califat. On n'a pas bien compris cela. Et vous, les Anglais, vous auriez dû expliquer ça aux Américains, ce que c'est que le califat. C'est la volonté, comme l'avait le communisme, d'envahir le monde entier, de devenir maître du monde. C'est ce que commence à faire Daesh. Monsieur Le Pen, a simple question. Are you an Islamophobe? Non, pas. J'ai été le premier homme politique français à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 1957. Et j'ai été le premier à faire élire une musulmane en 1986 au Conseil régional d'Île-de-France. Parce que je ne suis pas islamophobe, mais je suis francophile. If you're not an islamophobe, why do you keep saying that France's cultural identity is at risk if we do not reverse what you call this
torrent of immigration. We could be beaten, you say, without there even being the need for a revolution or a war. It seems to me you are suggesting to the French public that the immigrant challenge facing Europe is first of all basically about Muslims flooding in, a torrent, you say, flooding into Europe, and that France's very identity is at risk. And that's really not true, is it? Oui, je pense. Je pense. D'ailleurs, je pense que s'il y a un trop-plein, c'est le cas dans l'Afrique arabe, eh bien, il y a des grands espaces qui sont libres. L'Arabie saoudite est un espace énorme pour elle, mais elle n'accepte pas. Les pays de l'Est africain n'acceptent pas les immigrants. Et pourquoi viendraient-ils en France ? Nous avons le droit, et même, je dirais, le devoir de préserver notre identité. But just think about the figures. The French government has said it will take 30,000 refugees, mostly from Syria, over the next 2 years. 30,000 in a country of 60 million, and the Germans are taking 800,000, maybe a million. So where is this torrent that you talk about in France? Oui, les Allemands prennent 1 million en sachant que, compte tenu de Schengen, les gens à qui ils auront donné la reconnaissance pourront venir en France. Et ils viendront en France. Pourquoi ? Parce que c'est le pays d'Europe où les conditions sociales sont de loin les plus favorables. Or, je pense que les Français ont le droit à conserver leur identité. Et après tout, nous avons donné l'indépendance. Ces pays ont conquis leur indépendance il y a 50 ans. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'indépendance depuis 50 ans ? C'est dans leur propre pays qu'ils doivent régler leurs problèmes. Pas chez nous, pas en venant chez nous. There are already, what, maybe 5 million Muslims living in France, French citizens, just as French as you are. How do you think they feel when you suggest to me that Muslims coming into France represent a fundamental threat to the survival of this country? D'abord, j'ai la faiblesse de penser qu'ils ne sont pas tout à fait aussi français que moi, parce que moi, je suis pupille de la nation. Mon père étant mort pour la France, je suis doublement français, si vous voulez. Et c'est pas parce que quelqu'un a un papier. You're saying a Muslim who is born here, whose mother and father are born here, he or she is still not really French? Les Français, les musulmans qui aiment la France, qui sont prêts à se battre pour la France, ceux-là, je les considère comme des Français à part entière. Mais ceux qui sifflent l'équipe de France au Stade de France, quand il y a un match avec l'Algérie, ceux-là, je ne les considère pas comme des Français. Mais c'est de la faute de la France qui a établi la double nationalité, ce qui fait que ces jeunes gens ne savent pas trop s'ils sont Français ou Algériens. Et à cet âge-là, on a tendance un peu à fronder les gens chez qui on est. Seems to me you are betraying one of the fundamental principles of the French Republic. The Republic is supposed to be blind to religion or to any cultural special identity. Every citizen of the Republic is supposed to be equal. And you're suggesting to me that Muslim members of the Republic are not quite as equal as others. Oui, je ne reçois pas de leçons de républicanisme français. Je suis parlementaire depuis 60 ans. Et dans aussi bien parlementaire national que parlementaire européen. Et par conséquent, j'ai bien montré concrètement que j'étais attaché aux principes de la démocratie. Mais ces principes de la démocratie ne m'interdisent pas de vouloir que mon pays soit conforme à ce qu'il a été dans son histoire. Et que non seulement nous avons un droit, mais le devoir de défendre notre identité, comme d'ailleurs l'ont les autres pays de défendre la leur. Moi, je respecte toutes les nations du monde et j'ai même paraphrasé Karl Marx en disant « Patriotes de tous les pays, unissez-vous ». You talk a lot about history and the history of France. And forgive me, I don't mean this to sound rude at all, but you are an old man now. You're 87 years old, still going strong, but you're an old man. And some people say that there is a generational issue here. And this comes back to you and Marine, because you tend to look back. Your politics was formed in World War II and the decolonization and the Algerian War, and that is your context and your history. But that is not the context of most French people today who are a lot younger than you are. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre la plupart des Français et moi. C'est que moi, quand je parle de la guerre mondiale, je l'ai connue, je l'ai vécue, alors qu'eux n'en ont pris connaissance
qu'à travers le prisme, and you refuse to call Marshal Pétain a traitor. I mean, most French people would regard him as a traitor, but you do not. You have very strong views about the Second World War, about France's history. But isn't it time for France to look forward? And you are a politician who always looks back. Non, mais écoutez, moi je regarde pas vers l'arrière, mais c'est la presse. Ce sont les médias qui ne parlent que de la guerre, sans arrêt, en permanence, tous les jours. On nous rappelle ce qu'a été la guerre, la persécution des Juifs, etc., les excès des autorités d'occupation, etc. On parle que de ça, en permanence. Le cinéma, la radio, la télévision, ça n'est pas moi qui en parle. Personnellement, je regarde vers l'avant. Well, let's end by looking forward. And I want to come back to Marine, and I want to come back to the National Front. The polls suggest that the party is in a stronger position today than it's ever been. And it looks as though Marine, your daughter, has a very realistic chance of actually coming out number one in the first round of the presidential poll in 2017. These are extraordinary times. It just seems to me incredible that you refuse to say to me that you will support her. Non, mais encore une fois, je verrai bien quel sera son programme. Il se trouve que j'ai actuellement un conflit sérieux avec la direction du Front National. J'espère que ce différend a une source politique. Mais s'il a une source politique, ben, il est bien évident que le candidat ne pense pas ou pense l'inverse de ce que je pense, je ne voterai pas pour lui. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Si je regarde les discours de Marine Le Pen, c'est du Jean-Marie Le Pen copié-collé. When did you last speak to Marine? Il y a une quinzaine de jours, une dizaine de jours. And how are your relations with her right now? Elles sont au statu quo. Moi, j'attends que l'on fasse des gestes de réconciliation. J'y suis prêt pour ma part, parce que je crois que tout royaume divisé contre lui-même périra. Et donc, je crois que Marine Le Pen a affaibli sa position en prenant des sanctions contre le fondateur du mouvement, qui est en même temps son président d'honneur. You talk about it in the third person as though it's not really you and her, not really father and daughter. But the bottom line, this is a family quarrel. And one of you is going to have to make the first move to solve it. J'ai tendu la main, moi. J'ai tendu la main. Alors j'attends qu'elle soit prise. Je ne vais pas me mettre à genoux devant personne, même pas devant Marine. If she doesn't, in your view, put out her hand to reach out to you, is it possible that even at your grand age of 87, you might form a new party, a breakaway party, and leave the Front National non, altogether? Non, je ne pense pas. Écoutez, il est vrai qu'il va y avoir des élections législatives en même temps après l'élection présidentielle. Et je ne m'interdis pas, je ne m'interdis rien. Mais je souhaiterais qu'on retrouve l'unité du Front National. Parce que je crois que sans cette unité, Marine Le Pen ne sera pas élue présidente. Et ça me paraît clair et que c'est la condition qu'elle doit remplir. Mais je suis prêt, moi, pour ma part. Personnellement, comme vous dites, à 87 ans, oui, c'est vrai. Je vous le souhaite d'ailleurs d'atteindre cet âge un jour. et d'être, somme toute, dans le même état que moi. Ce sera pas mal déjà. Bon, ça n'est pas à la portée de tout le monde. I hope so too. Jean-Marie Le Pen, we have to end there, but thank you very much for being on Hard Talk. Merci bien. Goodbye. Thank you very much.